赤く赤く赤く揺れて夢の夢の果て離れられないもう何度も諦めては押し殺す旅行き場のない感情が目を覚ましてく穢れのその微笑み残酷なこと遠い存在だとわかるよ。Le petit groupe trouve Yoga dans un cercueil de glace dans la maison de la balance. Mais ils ne peuvent rien contre le cercueil de Camus, censé être indestructible même par plusieurs chevaliers. Soudain, l'armure d'or de la balance qui appartenait au vieux maître de Shiryu apparaît. Lance, nunchaku, épée, nunchaku à trois branches, tonfa, bouclier. En disposant de ses armes et de l'armure d'or de la balance qui font sa puissance légendaire, Shiryu parviendra-t-il à sortir Yoga de ce cercueil de glace ? L'épée de la balance. Les armes de l'armure de la balance sont capables de détruire une étoile. Lance, nunchaku, épée, nunchaku à trois branches, tonfa, bouclier. Laquelle faut-il utiliser pour briser cette glace ? Si je n'utilise pas la bonne, non seulement elle détruira la glace, mais elle tuera aussi Yoga. Entre toutes, je prendrai celle-ci. Cette épée ! Je vais te sortir de là, Yoga ! Reviens ! Reviens à la vie ! Chevalier, tu signes ! Yoga ! Tiens bon, Yoga. Il est aussi froid que la glace. Son cœur s'arrête ! Il va falloir agir vite. Vous deux, continuez. Pas de temps à perdre. Ne vous inquiétez pas, je sauverai Yoga. D'accord. Nous allons continuer. Nous te laissons avec Yoga. Allez ! Si je pousse mon cosmos au maximum, en faisant tout mon possible, je dois pouvoir ramener Yoga à la vie. Mon cosmos aura sauvé une vie. Il n'aura pas été qu'un instrument de mort. Je suis prêt à y laisser ma propre vie. Yoga. Ah, c'était l'épisode le plus rapide du monde. Ah bon, bah du coup, je sais pas, je fais quoi? Est-ce que je fais deux maisons d'affilée? Ou est-ce que j'arrête tout de suite la vidéo? Franchement, la vidéo a duré combien de temps? Elle a duré moins de 5 minutes. C'est bon, vous avez gagné deux épisodes en un seul. Allez, c'est parti pour la maison du scorpion. Les chevaliers du zodiaque. Aiguille écarlate, Antares. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur ? Là, du coup, j'ai le temps de parler, on fait la mini-pause. Donc, salut à tous, c'est Maxime59. Je vous offre un double épisode. Hein. Je ferai pareil pour la maison d'après. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir un truc, mais voilà. Donc, du coup, vous aurez deux maisons en même temps. Alors, soyez heureux.
Il y aura la même chose pour l'épisode d'après, vu que la maison du Sagittaire, ça va être pareil. Du coup, on fait deux maisons en même temps, et puis voilà, donc j'espère que vous êtes contents pour cet épisode qui va être rallongé, du coup. Allez, on y va sur ce. En entrant dans la maison du Scorpion, Seiya et Shiryu sentent monter la chaleur du cosmos de Shun dans la maison de la Balance. Réalisant que Shun est sur le point de sacrifier sa vie pour Yoga, il tente d'y retourner. Cependant, Milo, le chevalier du Scorpion, connu pour sa férocité, n'a pas l'intention de les laisser repartir. Milo lance une aiguille écarlate qui assomme rapidement Seiya et Shiryu. Aiguille écarlate, Antares. Imbécile. Mais je dois reconnaître qu'arriver à la maison du Scorpion constitue déjà un exploit. Toutefois, je m'attendais à plus de la part de deux chevaliers de bronze. Qu'est-ce donc ? Toi ? Hyoga, chevalier du Cygne ? Hyoga, tu es revenu à la vie ? Oui. Shun a converti sa propre énergie vitale en chaleur pour me réchauffer et me faire revenir à la vie. Venez, et tous ensemble, partons sur le champ vers la chambre du pop. Vous rêvez complètement si vous pensez pouvoir atteindre la chambre du pop. Immobilisation du Scorpion! Pour les vaillants chevaliers de bronze, le mot rêve n'a jamais voulu dire impossible. Les rêves sont faits pour être réalisés! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce cristal? Un cercle de glace! Maintenant, c'est toi qui ne peux plus bouger, Milo! Seiya, Shiryu, emmenez Shun et allez-y! Je vous rejoindrai quand j'en aurai fini avec Milo. D'accord. Je te laisse, Milo. Yoga, ne meurs pas. Ne me fais pas rire. Tu crois vraiment pouvoir te débarrasser de Milo du Scorpion avec ce misérable cristal? Pas vraiment. Je voulais juste te garder sous mon contrôle jusqu'à ce qu'il soit parti. Très bien. C'est l'occasion dont tu rêvais pour m'affronter à armes égales. Je vais bientôt me débarrasser de toi et de ton maudit souffle de glace grâce à ma puissante aiguille écarlate. Pas si je te gèle avant. Prépare-toi à mourir, Milo! Danse du Cygne! Tu l'auras voulu! Prends ce souffle rouge, minable! Poussière ton diamant! Aiguille écarlate! On est parti pour cet enchaînement d'épisodes. Allez, je trouve ça pas mal. J'adore cette cinématique. Je t'épargnerai peut-être, par égard pour mon ami. Du moment que j'ai toujours mes ailes. Prêt ? Alors, allez, on allez. Est de retour. J'ai pas joué depuis une semaine à Senseiya, à ce moment que je joue. Donc immobilisation c'est... Ah bon, bah... Tonnerre, tonnerre!
bon, je me rappelle comment balancer les attaques, c'est parfait. Quelle folie! Allez! Esquive ça! Non! Non, c'est pas vrai! Non! 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 Immobilisation du scorpion! Oh, j'avais pas prévu ça. Oh, ça fait mal. Immobilisation du scorpion! Oh, c'est pas vrai. Ah oui, ok, j'ai oublié de le dire, mais j'ai augmenté la difficulté. Parce qu'on était donc en mode normal, j'ai mis en mode difficile. Allez, esquive ça! Je trouvais que le jeu était trop simple. J'ai déjà fini le jeu en difficile. Esquive ça! Donc c'est pour ça, je me suis dit en difficile, ça peut le faire. Bon là, il m'éclate par contre. Yoga! Yoga! À l'époque, j'avais fini le jeu en très difficile en fait. C'est pour ça que là, je fais quelque chose. Esquive ça! Set de glace! Allez, folie! Allez, pas question! Prends ça! Tant pis, hein. Oh non, mais c'est vrai, je le tue comme ça en un. Oh. Bon, bah. Au revoir. Tant pis. J'ai réussi. J'ai gelé Milo. Je te l'ai déjà dit. Tu n'es pas assez froid pour moi. Regarde-toi bien attentivement. Qu'est-ce que c'est? Tu plaisantes? La trajectoire d'une aiguille écarlate? Exact. Non seulement tu vas te vider de ton sang, mais tu vas également perdre tes cinq sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Tu vas tous les perdre! Jamais! Je ne me laisserai pas faire, Milo! Je vais te battre! Laisse tomber, chevalier du cygne! Tu n'as pas compris ce que Camus a voulu faire? S'il t'a congelé dans ce cercueil, dans la maison de la balance, c'est qu'il ne voulait pas te tuer. Il a eu pitié de toi. Camus? Par égard pour lui, je ne te tuerai pas. Milo, même si je dois souffrir, je me battrai. Je dois défendre mes frères. Cette époque est digne d'être défendue. Quel est l'intérêt de la vie éternelle? Peu importe de perdre mes cinq sens. Je me battrai jusqu'à la mort! Camus... C'est risquer sa vie au combat est le seul moyen de prouver sa valeur en tant que chevalier. Alors, en tuant Hyoga, je reconnais sa valeur. Et son statut de chevalier ne fait pas le moindre doute. Pardonne-moi, Camus. Tu vas mourir! Poussière! Hyoga, sois heureux de te battre et de mourir comme un vrai chevalier. Quoi? Les 15 étoiles du scorpion sont gelées. Comment est-ce possible? Comment? Tu as dû toucher les points vitaux de mes 15 étoiles avant que l'Antares ait eu raison de toi. Ah, si je n'avais pas cette armure d'or,
je ne serai pas le même homme aujourd'hui. J'ai gagné la bataille de la vie et de la mort. Mais je n'ai pas gagné ce combat. Le cosmos de Hyoga a surpassé le mien au moment même où sa vie commençait à disparaître. Même inconscient, tu essaies d'aller quelque part. Mais où ? Veux-tu retrouver Seiya ? Ou le Pop que tu souhaites battre car il incarne le mal ? Hyoga, il ne te reste que quelques minutes à vivre, et pourtant, tu essaies encore d'avancer vers ton but. Et si cette Saori Kido, que les chevaliers de bronze protègent, était bien Athéna, alors tout serait différent et les chevaliers de bronze auraient raison. Voilà, j'ai arrêté l'hémorragie. Tu vas aussi retrouver l'usage d'une partie de tes sens. Pourquoi ? Pourquoi m'avoir sauvé la vie ? Je ne pouvais pas te regarder mourir. Je veux voir jusqu'où toi et tes amis irez, et où cette lutte nous mènera. Bon, et bien, cette fois-ci, bon, ça fera une chose un peu plus long. Nouvel élément ajouté dans le jour du repos. Nouvelle histoire. J'espère, sinon, que vous avez aimé cette vidéo plus longue que d'habitude. Normalement, on se retrouve pour une prochaine. Et sinon, tout ce que je peux vous dire, c'est... on se retrouvera pour une nouvelle vidéo, un deuxième CA. Allez, c'est parti. Les chevaliers du zodiaque. La volonté d'Aiolos. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur ?